Bah, écoutez, c'est très simple. Il a un profil qui est bien à lui. Il ne ressemble pas du tout à son frère. Je dirais même ni physiquement ni mentalement. Autant Esimpact était un cheval très réactif et réveillé. Lui, c'est vraiment un cool qui a mis du temps à s'enclencher, ne montrant que très peu de choses le matin, les montrant l'après-midi, mais surtout, on constate aujourd'hui que c'est un cheval qui est sur la montante et encore très perfectible. Donc, c'est aussi pour cette raison que nous osons le présenter dans une course comme celle-là, quand on sait que, bien évidemment, un cheval sur la montante de ce style-là peut un jour, comme dimanche, se révéler à ce niveau-là. Mais le cheval travaille très bien, il a un excellent comportement. Je pense que c'est un futur bon poulain. C'est un cheval qui est parfaitement adaptable à des types de terrains indifférents. Il va s'adapter à la piste de dimanche sans problème. Il n'y a pas de particularité à son sujet. Il n'a pas aucune modification dans un bon terrain souple ou terrain lourd. Bien évidemment, le profil de dimanche sera le bienvenu parce que depuis quelques semaines, faire évoluer les bons chevaux dans des pistes comme on a pu les connaître dans les dernières semaines, c'est quand même pas l'idéal. Ce sont des chevaux, je le rappelle, qui sont quand même en pleine croissance et en train d'évoluer à des niveaux supérieurs. Donc, des pistes plus régulières et plus rapides seront quand même à leur avantage.